Quand on parle de Raidance, c'est une nouveauté. Exactement. Ça correspond à du son, je présume. Ça correspond à du son, ça correspond à une barre de son. Donc TCL, on connaît la marque pour ses téléviseurs. Et TCL en 2019, la vraie nouveauté, c'est vraiment l'extension de la marque sur le marché de l'audio, notamment les barres de son. Donc on avait déjà des barres de son qui sont arrivées dans la distribution courant de cet été. Et la grande nouveauté qui est annoncée à l'IFA, c'est vraiment notre barre de son Raidance, qui, comme son nom l'indique, va travailler d'un point de vue technologique sur le rayonnement et sur les différents canaux et les rayonnements des canaux. Donc à l'intérieur de la barre de son qui est très compacte, on a du coup des speakers, des haut-parleurs pardon, en français, qui vont être orientés de manière à être répercutés ici sur le côté de la barre de son et à pouvoir enrober le spectateur, à vraiment l'immerger dans le son. Et ça va vraiment apporter un plus avec cette nouvelle barre de son Raidance qui va être disponible à la vente sur le marché français d'ici un mois et demi. On a un peu une idée du prix ? Alors, ça sera une barre de son qui sera à moins de 500 euros, voire peut-être même encore un petit peu moins. Mais pour l'instant, on n'a pas de prix tout à fait définitif. Donc, je préfère pas me prononcer sur un prix. Alors, quand on parle des barres de son, souvent on parle du nombre de canaux présents dans les barres de son. Oui, c'est des canaux 3.1. Donc c'est une barre de son qui est avec un subwoofer et qui est proposée également avec la technologie Dolby Atmos. Donc pour un prix très raisonnable, vous avez une barre de son qui est très bien finie d'un point de vue design et qui en plus propose donc un son immersif et un son qui va pouvoir également bouger autour de vous. Donc c'est vraiment une expérience sonore incomparable.